Alors ATC, Aero Textile Concept, est une entreprise reconnue dans la fabrication, la conception et l'entretien de conduits et diffuseurs d'air textile. Un diffuseur d'air, ça sert à amener de l'air sur des machines, sur des personnes, sur un process particulier. Le diffuseur d'air, il est là pour amener de l'air, pour renouveler, dépolluer, climatiser l'ambiance. Concrètement, ça sert à ventiler un local. L'induction, c'est la capacité d'un débit d'air réduit à mettre en mouvement un matelas d'air n fois supérieur. J'aime bien prendre comme exemple le caillou dans l'eau, parce que ça me fait penser un peu à une onde acoustique. Quand tu jettes un caillou, tu déplaces par énergie une petite vague qui va mettre en mouvement une masse plus importante, etc., etc. Donc c'est la capacité d'un débit d'air réduit, sauf que nous on est dans l'air, à mettre en mouvement un matelas d'air n fois supérieur. Et en même temps, vu qu'on donne de l'énergie, on va jouer sur le phénomène Venturi qui va nous aspirer notre air ambiant. Comme quand tu jettes un caillou, tu as une forme de dépression. C'est de pouvoir, ou pas, mélanger très vite l'air soufflé d'une machine et l'air ambiant. Par exemple, quand on a besoin de garantir un gradient de température sur un bâtiment de très grande hauteur, comme un stockage pharmaceutique, où on va être à entre 18 et 20 mètres de haut, on doit garantir une température entre le bas du local et le haut, dans l'ambiance, une différence de température de maximum de 2 degrés. Ce phénomène d'induction nous permet donc de déplacer un air traité sur 20 mètres et en même temps, par l'effet Venturi, de mélanger très très vite l'air soufflé et l'air ambiant. Donc ça va nous permettre de garantir des gradients de température, mais ça va nous permettre aussi de garantir du confort pour du personnel. Quand on climatise des bureaux, on peut avoir une sensation d'air froid qui tombe très vite sur les épaules puisqu'il est plus lourd. L'induction va nous permettre de souffler la puissance froide, mais de mélanger avec l'air ambiant et d'arriver dans la zone d'occupation dans des températures qui ne génèrent pas d'inconfort. Les garanties qu'on va apporter à nos clients sont des garanties en termes de vitesse et en termes de température. Concrètement, je peux garantir 20 degrés à plus ou moins 1 degré Celsius à une certaine distance et en un certain point.